Hey, salut tout le monde, c'est Blackseven. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo détente sur le serveur de Mindplex. Là j'étais en train de faire plein de Hunger Games et je les ai tous enchaînés comme c'est un truc de malade. Genre j'ai fait 4 parties, j'ai gagné les 3 parties sur 4 et à chaque fois je gagnais mais genre avec là par exemple la dernière partie, bon j'ai pas vraiment eu le temps de regarder. Bon c'est pas grave, on regardera après si jamais c'est bon. Enfin bref, j'ai fait un maximum de kills quoi, du coup je suis hyper content et puis je me suis dit si jamais ça continue, bah vaut mieux que je puisse vous faire partager ce bonheur, cette joie de gagner. En fait je laguais, enfin parce que je suis en train d'uploader une vidéo, donc je laguais pas FPS mais connexion. Et puis comme je savais pas quoi faire, je me suis dit bon c'est pas grave, je vais quand même tenter d'aller sur Mindplex. Et puis bah étonnamment ça lag pas tant que ça, donc enfin un petit peu, on sent qu'il y a un gros, enfin un petit décalage. Donc écoutez, je me suis dit même si je sais que c'est, moi je sais que dès que je regarde par exemple une vidéo de Fanta où il lag comme un gros porc, je déteste ça, donc bah du coup je regarde pas. Enfin je regarde mais voilà quoi, un petit peu histoire de voilà de regarder quoi, histoire de savoir ce qui se passe. Donc j'avance un petit peu, enfin bref, et donc mais là étonnamment, connard, ça va, c'est pas non plus la mort, c'est pas non plus le lag du warrior. Hein. Donc c'est parti mon kiki, on va bien s'amuser. Là en l'occurrence je voulais faire une vidéo et tout parce que j'étais putain de content parce que je n'arrêtais pas d'enchaîner les parties. Mais si ça commence comme ça, je veux pas me fighter un petit. Oh bonjour! Alors là je vous explique pour moi que c'est la grosse merde. Putain, ok, je crois que je vais être obligé de manger ça. Je sais que c'est vraiment pas bon de faire ça. Voilà. Mais quand on est dans les comptes. Ouais, quoi que j'aurais peut-être dû attendre un tout petit peu. Mais bon, j'étais vraiment dans la merde là. Hein. Franchement, j'aurais pas. Ouais. J'aurais quand même dû attendre un petit peu, mais bon, je commence à stresser, puis j'ai pas envie de vous faire une partie de merde là. Sachant que j'ai pas arrêté de me vanter depuis le début de la vidéo là, j'arrêtais pas de vanter, ouais je vais tous enchaîner. Oups, ok, donc si jamais je les enchaîne pas à cette partie, ça va pas le faire du tout. Lui, vous en faites pas, on va essayer de se le faire, ça va pas être un gros soussail. Ok, c'est bien ce qui me semblait, voilà, hop, vous voyez je l'ai bien contourné. Sauf qu'il a un meilleur stuff que moi, le petit connard. Mais c'est pas grave, j'enchaîne quand même. Voilà. Donc ça, c'était plutôt parfait. Comment j'ai joué il avait un meilleur stuff, mais bon, il était pas non plus méga stuff. Hein. Bon, vous me direz si quand même en faire, c'était pas mal. Donc voilà. C'est plutôt pas mal. Donc vous voyez, depuis ce matin, depuis une heure, là, je joue que comme ça. Je sais pas pourquoi. Je sais pas comment je fais. Il y a des jours comme ça me prend... Je joue comme un dieu, et d'autres jours, comme les deux vidéos précédentes, et ben je joue moins bien, on va dire. D'ailleurs, je suis en train d'uploader la vidéo avec le kit archer. Donc voilà. Et oui, je vous ai pas dit, là, je suis avec le kit brawler. Hop. Ah, yes, nice. Par contre, sans arc, c'est un petit peu inutile, mais c'est pas grave. Hop. Là, en l'occurrence, j'ai pas pu utiliser mon kit brawler, tout simplement parce que... on était dans une maison, donc si je l'utilisais, bon j'aurais pu, enfin si je l'utilisais mais non volontairement, mais vous voyez, ça, enfin, je veux dire, ça va le faire sauter, ça va le faire toucher deux blocs au-dessus, enfin bref, il va pas prendre de dégâts de fall damage, donc c'est un petit peu beaucoup inutile. Ah, j'ai pas vu, nice. Alors, non, il avait pas de meilleure épée, ouais, de toute façon il s'était fighté avec la même épée que moi, c'est pour ça, dès que je l'ai vu, j'étais rassuré, je fais bon bah c'est pas grave, on continue, allez hop, on le finit. Niveau bouffe, on est pas mal. Alors, ok, bonjour. On va aller au supply drop si jamais on a le temps après. Il fait quoi? Petit connard, hein? Voilà, donc vous voyez, et là, quand vous prenez ça dans la tête, ça fait mal. Je peux vous le dire. Oh putain, il me fait chier. Oh oh. Ah, ok, j'ai eu trop peur. Ok, pourquoi est-ce que j'entends le vent? Allez, on va par là-bas. Voilà, c'est bien, mon petit coco. Ok, bon, attendez, je vais pas aller chercher son stuff. Parce que déjà on voit rien. Et oh, mais c'est qu'il avait des petites soupes, le petit salaud. Il me l'avait caché. Alors, supply drop, c'est par là-bas. Et voilà, ça pointe plus supply drop parce qu'il a dû... Oh putain, c'est quoi cette chance? Euh...
suis d'un tout petit peu en retard, j'aurais peut-être dû garder la deuxième 3 soupes quoi, si jamais je meurs là. Bon, vous me direz, j'ai pas une très très bonne épée, par contre j'ai un bon stuff. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, si, on va aller voir si le supply job n'a pas encore été pris. Putain, c'est chiant de passer par là. Mais d'une chiantise assez incroyable. Ouais, supply job, il devait être là. Je vais aller voir s'il est toujours. Ouais, il est là. Est-ce que quelqu'un l'a pris? Ça, c'est une autre question. Hein. Ok, c'est toujours avec des blocs de fer et... Ouais, ok, non, personne l'a pris. Mais s'il y a juste ça qui m'intéresse, mais c'est déjà pas mal. Attendez, juste... Ouais, ça rajoute un demi de protection. C'est plutôt... On va pas le rejeter, quoi. donc, c'est parti, on va aller attaquer d'autres gens. Ah ouais, franchement, clairement, là, ce qui me manque, c'est vraiment une bonne épée. Hein. Oh, putain. Là, je peux survivre, mais juste grâce au stuff, quoi. C'est tout. Donc, j'ai quand même pris le plastron, même si j'en avais pas vraiment besoin, tout simplement pour, bah, pour pas que quelqu'un d'autre l'ait. Parce que mais c'est pas vraiment que je suis radin, c'est juste que c'est la loi, quoi. Ok, désolé pour le bordel qu'il doit y avoir dehors. J'ai une voiture qui va sur le gravier avec la musique à fond. J'espère que ça sera pas trop trop dérangeant. Où est-ce qu'ils sont ces petits salauds? 55 blancs, ok. Il est au supply drop là. Voilà. Ok, attendez, celui-là, on va essayer de le démonter. Allez, viens là. Viens là. Ok, c'est pas grave. Oh! Boum! Oh là là! Oh le con! Oh! Oh mon dieu! 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 J'ai eu la plus grosse... des chances. Ok, c'est ça que je veux. Non. Il avait pas une super arme? Il avait pas mieux que cette merde? Putain, merde. Je pensais qu'il avait un truc vachement mieux. Putain, il était bien stuff en plus, le salaud. Hein. Wow. En plus, je vais pas vous cacher que j'ai dû couper... Oh, oh, allez. Je vais pas vous cacher que j'ai dû couper mon micro et tout. Juste avant le fight, parce que... parce que je devais le faire. la super explication. Ok, bon, ça va. Lui, déjà, il est tout seul. Je pense qu'on va la boire vite fait, quand même. Connard. Ok, c'est bon. Oh, le bâtard, il a piqué Tarché. Hop. La petite fin du siècle. Aïe, ça fait mal, ça, connard. J'ai encore une petite chance, pas beaucoup, mais une petite. Et la petite chance qui va faire... Wouh! Qui a porté ses fruits. Bim! Ok, ça c'était une énorme chance, j'ai envie de dire. Oh, alléluia. Bon. Une fois qu'on a fait ça, on va quitter le survival game. On va laisser une petite partie de d'autres choses. Hein, parce que voilà, ça faisait déjà deux vidéos. Mais bon, je vous l'ai dit, j'étais chaud là aujourd'hui pour le survival game. Je sais pas, je gérais plutôt pas mal. Et encore, cette partie, j'ai pas eu beaucoup de chance. Donc bah écoutez, on se retrouve dans deux secondes dans le ship quest. Mais voilà, je vous retrouve. Youhou! Et nous revoilà donc... En fait, c'était juste pour m'annoncer que l'Allemagne avait marqué un but contre la France. Parce que là, c'est la Coupe du Monde en ce moment. Ça sera sûrement fini au moment où j'uploaderai cette vidéo, mais bon, c'est pas grave. Alors, qu'est-ce que c'est que le Ship Quest? Le Ship Quest, en fait, y a 4 couleurs, donc 4 bases. J'essaie d'aller me mettre dans... Ouais, non, you join Yellow Team. Bon, après, c'est franchement, ce mode de jeu, c'est mieux d'y jouer à plusieurs parce que vous pouvez adopter plusieurs stratégies. Tandis que quand vous jouez tout seul, bah vous pouvez pas parler aux autres gens, enfin à part dans le chat, mais bon, personne le lit, donc ça sert un petit peu à rien. Vous pouvez pas vraiment leur dire, vas-y toi, il faut, vaut mieux défendre en... et puis qu'il y en ait juste un qui aille chercher des moutons, machin. Vous pouvez pas vraiment dire ça, donc c'est vrai que ce mode de jeu, je vous conseille si vous pouvez. Voilà, en l'occurrence, je peux pas parce qu'il y a personne, enfin, il y a Golden, il est pas co là, il est encore en train de pioncer, je crois.
Donc, là je joue tout seul, mais donc si vous avez l'occasion de jouer à plein, je vous conseille d'inviter vos potes et tout, c'est vachement plus marrant. Ok, donc juste vite fait vous expliquer les règles. En fait, on a donc comme je vous l'ai dit 4 camps, donc jaune, vert, rouge, bleu. Et en fait le but c'est d'aller récupérer des moutons qui sont au milieu. Donc ils seront au milieu là-bas, je vais vous montrer. Donc là c'est vert, là c'est... Attendez, je vous montrerai après. Et go. Ok, c'est parti. Donc si on fait un clic droit, hop, on a un petit coup de boost comme ça. Donc là c'est rouge, voilà, chacun son biome on va dire. Là vous voyez, je prends les moutons avec ma selle. Donc là j'en ai pris qu'un seul parce que je me suis foiré, je voulais en prendre plusieurs mais c'est pas grave. Un c'est déjà bien. Et en fait à chaque fois il y en a qui vont spawner, vous voyez dans 3 secondes là il y en a encore un autre. Donc toi, voilà, je préfère, hop, à plus. Voilà, ok, donc là il y a, voilà, il y a... Hey, tu fais quoi toi? Tu me redonnes ça tout de suite. Ok, c'est bon, j'ai réussi à le mettre, par contre là je suis vraiment dans la merde. Allez, bastonnez-vous, toi tu fais quoi toi? Donc, oui, c'est ce que j'allais vous expliquer, vous avez pu voir que là le mec a essayé de nous les voler. Donc on peut aller les voler dans les camps des autres. C'est chaud, parce que souvent ils sont toujours en train de défendre. Mais c'est possible parce que... Bah parce que des fois il y a des teams qui vont tous en rush et puis personne qui défend. Vous voyez là nous on est deux à défendre parce que je vois qu'il y a un petit campeur dans notre team. Ça j'aime pas ça mais bon voilà quoi, c'est à notre avantage, je vais rien lui dire. Mais c'est vrai que c'est chaud. Ok, ok, là il y a des petits rouges qui vont faire chier parce qu'ils sont en train de tout prendre et j'aime pas ça du tout, regardez. Bloom, ok, non, ça c'était une mauvaise idée. Ok, excusez-moi. Désolé. Waouh. Désolé. Oh mon dieu. Vous avez vu ça? Mais non, c'est pas possible. Comment j'ai fait ça quoi? Oh mon dieu. Oh, j'en ai enchaîné 3 ou 4 là. Non, 3 je pense, mais waouh, c'était pas mal. Ah, c'est vraiment ma journée hein. Et lui si jamais j'arrive à l'enchaîner quoi, c'est un truc de fou. Non, bon déjà ouais non, c'était pas un truc de fou non plus parce qu'il avait l'air de pas trop bien gérer. Aïe, connard. C'est le rouge. J'ai essayé d'aller le décamp. Quoi que non. On s'en fout. Oh les connards. Hein, j'y vais. Bonjour. Il est pour moi. Oh le connard. Alors ça, mon pote, tu vas le regretter. Excuse-moi, mais tu nous l'avais volé, connard. Ah non, il est né pas en fer. Donc les pas en fer, c'est seulement les ultras qui peuvent l'avoir. Ok, donc voilà, quand on meurt, et ben on est en game mode pendant quelques secondes. Et voilà, ensuite là j'ai respawn. Donc là en fait j'ai eu un petit freeze, c'est pour ça qu'il bougeait plus. Hein. Un petit freeze de co. Ah, par contre ça c'est chiant en fait. Vous voyez là je suis allé attaquer et tout, j'ai bien géré, mais le problème c'est que voilà, c'est ça que je vous dis. C'est cela dont je vous parlais. C'est mieux d'être en équipe parce que au moins vous voyez là on aurait pu dire vas-y toi vraiment tu restes en défense, moi je vais aller attaquer comme un gros porc et puis là du coup ça pouvait marcher. Là en l'occurrence bah ça a pas bien fonctionné parce que quelqu'un a pu venir nous le voler. Donc là il y en a un qui défend, j'ai l'impression. Donc bah écoutez, pour le moment on va s'acharner sur les verts. Vous voyez là vous serez à plusieurs, vous pourrez vous dire ok, il y en a un qui défend, deux qui viennent avec moi machin. Ok, bonjour. Alors là si jamais j'arrive à refaire ce coup de maître, hop, on va se renvoyer un petit boost. C'est bon, y'a personne qui me suit. Oh, oh mon dieu, vas-y, go, je te défends. Allez, mec. Ouais, ça c'est du bon, ça. Donc vous voyez, là, ils ont fait exactement la même erreur que nous. Oh, ils ont pas réussi à les prendre. Attendez, je vais essayer d'y aller. Nope. Tu vas pas réussir. Hop, bonjour. Excusez-moi. Non, je vais pas me faire choper. Oh mon dieu, c'est trop bon. Oui. Oh putain. 9, quoi. Oh, ok, vas-y, go, mec. Allez. Ah là, c'est la folie furieuse hein. C'est la folie furieuse. Ok, mais je crois qu'il connaît pas tout du sprint ou juste le double clic. Ok, bonjour. Alors toi mon gars, t'essaies de me le prendre, je te viole. Ok, c'est bon. Il pourra pas. Oula, putain, ils arrivent en rafale les petits salauds. Ok, toi tu vires. Le vert. Bah le vert il se taille parce qu'il a trop peur de nous. Oh putain, sérieux quoi, s'ils savent pas défendre, on est vraiment dans la merde. Hein. Oh. Voilà, j'aime bien, ils sont limite jaunes quoi les verts quand on les tape. Parce que rouge et vert, je sais pas, ça doit faire une petite... Enfin pas jaune mais voilà quoi. Vous m'avez compris. Et toi. Jamais j'arrive à... Oh non, parce que là s'il y a l'archer en plus qui commence... Ok, il y a l'archer qui est venu faire chier. Oh putain, non, défends toi. Respawn. Par contre là il va bien se faire buter je pense.
Non, il a géré le petit. C'est bon ça. Ok, ouais, je me disais aussi, il y a un petit coup de lag là parce que. Bon, on s'en est fait voler pas mal, mais. Moi perso, je reste en full défense parce que là. Putain, les petits connards quoi. Ok, non, attendez, je vais pas m'aventurer là-bas. Oh, bonjour. Ok, il y a un bleu qui tire avec son arc sur les chips. What the fuck. Non mais essaie de venir toi petit connard. Et oh d'accord, ok, ils sont trois archers ou quoi. Ok, bon bah GG. Vous voyez, ça bon, c'est bien joué de leur part parce que franchement deux archers à bien nous buter à chaque fois, c'est chiant pour nous, mais c'est très avantageux pour eux. Donc ça c'est une bonne technique à adopter. Donc il existe trois kits, donc un kit pour les ultras comme je vous l'ai dit où ils ont l'épée en fer. Le kit archer où on a une flèche, un arc et cinq flèches qui spawnent toutes les secondes je crois, ou toutes les deux secondes, un truc comme ça, on peut regarder. Ouais, toutes les deux secondes, on a une flèche qui spawn et on a un maximum de 5 flèches qui peuvent spawner. Et plus on reste avec l'arc bandé, plus de flèches peuvent partir d'un seul coup. Enfin, genre, pour le prix d'une, il y en a 4 qui partent, quoi. Et ensuite, bah, on a le kit berserker, mais là, comme je viens juste de le prendre, et ben on va prendre le kit archer, histoire que je vous montre un petit peu, même si je l'aime pas trop. Parce que le kit archer, c'est un petit peu genre plus défense et moi, je suis plus attaque. Et donc Berserker, comme je vous l'avais dit, on a juste un petit boost en faisant un clic 3 avec la hache. Et la hache est quand même plus puissante, la hache en fer est quand même vachement plus puissante que l'épée en bois. Parce qu'on a quand même une épée en bois avec le kit archer, mais comme je vous l'ai dit, l'arc en plus. Donc voilà, ça commence dans 17 secondes, on n'a pas besoin de faire une petite interruption pour pas que ce soit trop long. Voilà. Oui, j'avais aussi oublié de vous dire dans les épisodes précédents, mais comme la vidéo sera sortie avant celle-ci, bah, ce sera pas dérangeant. Mais bon, je le dis quand même au cas où. Pour les vacances, là, il vous reste encore l'épisode 3 de, enfin, l'épisode 3 et plus ou pas de. Hop, attends, je vais y aller. De comment ça s'appelle? De merde. Si je vous voyez là, toutes les deux secondes, bim, 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 j'ai des flèches qui spawnent. Ok, il y a des cheaters, j'ai l'impression. Toi, voilà. Hey, connard. Ouais. Ah, putain, je me suis complètement foiré. Oui, là, on entend le to-to-to-to-to-to-to. Et lui, je sais pas trop ce qu'il me veut, mais... Oh, ils m'ont bien démonté. Bref, je suis dans quelle team? Ah, je crois que je suis encore dans la yellow, c'est bon, ça. Oui, donc, je vous disais, l'épisode 3 de Minecraft Bingo, voilà. Petit trou de mémoire, désolé. Donc voilà. On va... Vous aurez cette vidéo en plus, épisode 3 et les autres d'après bien sûr. Oh, vous avez vu ça un petit peu la maîtrise. Oh, ça aurait été trop beau. Bon, attendez, on va arrêter de rigoler. On va essayer d'aller attaquer des chiens. Ok, j'ai pas réussi à le prendre, super. Mais putain, mais toi dégage. Toi, monte-toi. Toi, monte-toi. Ok, putain, ils sont chiants là, enfin ils sont chiants mais ils sont bons, faut l'avouer, ils sont très, enfin, ils jouent très bien en équipe. Eh, c'est celui qui était dans la partie précédente lui avec son skin tout noir je crois. Ils jouent très très bien quand même, hein. Dès qu'il y en a un qui se fait attaquer, bim bim bim, il démonte celui qui attaque, celui qui est en train de se faire attaquer, bref. En l'occurrence là c'était moi, salut. Non mais moi aussi ça va bien et vous? Hop, excusez-moi, j'espère que vous n'avez pas réussi à m'avoir à l'arc. Et voilà, non, vous n'avez pas réussi. Là maintenant ils vont avoir trop le seum, du coup ils vont tous venir. Et là par contre on va l'avoir dans les trophées mignons. Hop, salut. Oh putain, ça c'est chaud ça. C'est très très chaud même. Oh oui oui oui. Qu'est-ce qui est en train de leur tirer dessus là? Visite, continuez. Oui, c'est bon ça. Il y a un verre qui nous aide, super. C'est génial le seum. Ok, il y a un petit mouton au centre, j'y vais. C'est bon, personne l'a eu avant moi. Par contre, du coup, le verre va me faire chier. Ok, il est quand même à nous. C'est bon. Wow, ok. Ok, toi, t'es dead. Alors, next. Putain, les rouges, là, ils sont en train de mener comme des petits porcs. Wow. Oh allez, bim! Ça c'est tellement cool que limite on fait un kill à chaque fois quoi. Non.
Oh si. C'est énorme. J'adore en fait. Oh. Oh putain, mais c'est un truc de malade. Bon, on va perdre, mais c'est pas grave, c'est drôle, on s'amuse bien. En défense. Oh non. Oh! Putain, le connard! Bon, là vous voyez, je suis tout seul, je crois, dans les... Non, on est plus que deux, quoi. Bon, vas-y, l'autre, je sais pas du tout ce qu'il fout. Oh là là. Je suis un petit peu tombé dans l'équipe de merde, c'est pour ça qu'on va perdre, mais c'est pas grave. On s'amuse bien. On va essayer d'y aller en mode stratégie, parce que de toute façon, on s'en fout du moment que je récupère des chips. Des chips. Ouais! Super monde, c'est bon, les chips. Ok, mon petit... Oh! Blablabla. Allez, c'est parti, on va essayer d'y aller un petit peu en mode discret parce que archer, voilà, quand on peut faire quand même des choses sympas. On a une putain de régène, je sais pas, ouais, ça dure seulement quelques secondes. Je dis ça en mode normal quoi, voilà, alors que je dois... Oh ok, bon bah les couilles, j'en prends un deuxième. Ok, par contre là je crois que j'ai vraiment fait le con, j'aurais jamais dû en prendre un deuxième, mais c'est pas grave. Du moment qu'on finit pas avec zéro chip, c'est bon, ça me va. Venez, on va y... Ok là, en 24 secondes, je pense qu'on peut essayer de se démerder pour aller chez les bleus et puis leur envoler pas mal. Non, s'il vous plaît. J'ai pas de chip. S'il vous plaît. Laissez-moi en vie. Non, non, non. Il faut surtout pas qu'elle ait le kill. 3, 2, 1. Allez, bim. Pas trop le seum. Bon, voilà, une partie on a gagné, une partie on a perdu. Malheureusement, c'est déjà fini, cette vidéo. Et ouais, là, ça fait une vingtaine de minutes, voire bientôt trentaine, je sais pas. Enfin, je dis à peu près. Ouais, même largement quoi. Oh putain. Ouais, enfin bref, c'est pas grave. C'était une bonne petite vidéo, moi je me suis bien éclaté. On a fait une bonne partie de Hunger Game, on a fait une bonne partie de Ship Quest, et on a fait une très très mauvaise partie de Ship Quest, mais on s'est bien éclaté. Voilà, j'espère que ces ensembles de parties vous auront plu. Moi en tout cas, elles m'auront bien plu. J'espère que... Bah que j'espère et j'espère et j'espère. Et j'arrête pas de dire j'espère, donc voilà. Allez, j'espère. Woohoo!